Donc, on recommence le retour sur The Pioneers. On inspecte ça. Ensuite, toi, tu iras inspecter ça. Et tu essaieras de pas mourir. Ici, est-ce qu'on a encore des choses à inspecter? Oui, là. D'accord. Et tant qu'on y est, on va commencer à regarder ce qu'il y a déjà autour. Ici, on n'a rien. Normalement, il y a un petit bout de vaisseau dans le coin qui devrait se trouver. Logiquement, au départ, il y a toujours un bout de vaisseau, il est là. Ok. On verra pour les autres caisses plus tard. Boum! Donc le prototype, pardon, de The Pioneer, toujours même chose, on avait un équipage originel de 10 personnes, ils ne sont plus que 3. Les autres sont atteints d'une maladie incurable qui s'appelle le décès. Tac. Ça a de la gueule quand même, le décor est travaillé. C'est hyper chiadé, je trouve que c'est hyper joli en vrai. Parfait, ces ressources commencent sûrement nous servir. Je ne détecte que 3 signatures bionumériques. Ouais. Il semble que la majorité de l'équipage ait succombé au crash de l'appareil. Oui, je viens de le dire, Micheline. J'estime vos chances de survie à 4,5%. C'est pas beaucoup. Les instructions du protocole 844 sont de poursuivre la mission. J'avais pas entendu le pourcentage tout à l'heure. Ok, il y a un truc là également. Il l'a déjà atteint ici ou pas? Nine. C'est normal d'avoir perdu hein, sur la première partie. Que 4,5% de chances de réussite, bah oui. Hein. Ok. Donc toi. Attends, tiens, je crois que j'ai déjà perdu quelqu'un. Attends, ils sont où? Donc elle est là. Stephenson. Ah, Stephenson, il est là. Donc lui, on va l'envoyer. J'ai vu qu'il y avait une caisse ici, je crois. Non? Là. Tu vas inspecter ici. Williams. Je l'ai envoyé quelque part, Williams? Non. William, je l'ai envoyé nulle part. Donc, Williams, où est-ce que tu vas pouvoir aller? Niveau oxygène, on est comment? Ça va. Alors, tu vas pas aller trop loin non plus. Oui, ça, donc ça, c'est la base. Il y a une caisse là. Est-ce que tu as le temps de l'atteindre avant? Je pense. Et Foster, il s'occupe du petit bout de vaisseau. Et ce sera le premier à rentrer dans la base. Félicitations. Vous avez Pièce du récupéré système une de pièce de la communication maquette. éparpillée lors du crash. Il vous reste 2 pièces à trouver avant de pouvoir contacter les secours. Ah, voilà. Et c'est comme ça qu'on peut terminer, donc. On trouve les pièces du système de communication. J'imagine qu'ensuite, on doit assembler un truc. On appelle les secours. Et puis, on rentre à la maison, quoi. On turn the station. Yeah. Williams est ici. Stephenson, il a pris un raccourci. Bien joué. Par contre, je t'avais envoyé là, j'en suis presque sûr. Hein. Non? Ah non, je t'avais envoyé là. Équipage, Ah. félicitations. Ôtez vite vos combinaisons avant de tomber à court d'oxygène. Ça marche, Micheline. Tu vas déjà venir la recharger en oxygène. Toi, tu viens là. Inspecter ça. Ouais, on a assez. Donc là, ça recharge en oxygène. D'accord. Et tu enlèves ta combinaison. Allez, enlève ta combinaison. Personne ne nous regarde de toute façon. Bien, Vas-y, vas-y. il est temps Manger désormais et de dormir, remettre oui. cette station en état de fonctionnement. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à trouver par là? Oui. Tac, tac. Williams, elle est là. Est-ce qu'elle aura d'autres choses à trouver après? J'imagine que c'est la même sur laquelle je vais tomber. Ouais, c'est la même. Ouais, c'est ça, c'est complètement la même. Donc, bah, Williams, elle va rentrer également à la base. Donc, on va y aller doucement. Et Stephenson rentrera en troisième. Glasgow Lyon, très bonne écoute, j'ai rien sans replay. Ça marche, Ouara, de toute façon, je vais mettre ça sur YouTube. Et vous pourrez avoir ça sans problème sur YouYou. Ok. Donc
là on est bien. Stephenson. Attends, on va quand même... j'ai quand même envie de vérifier un truc avant, parce que Stephenson, dans les environs là, il te reste quoi à trouver? Plus rien? Ah mais si! Oh mais si! Ah mais oui! Allez, dépêche-toi Stephenson, tu peux être un héros. T'as pensé à saluer YouTube? On va saluer YouTube. Non, parce que je vais extraire le truc après. C'est vrai que j'avais oublié de saluer YouTube. Terrible. Là, c'est récup. Là, on re-récup. Williams, tu viens ici et tu vas recharger ta combi. Foster, en attendant, tu vas venir par là et tu t'occuperas de construire le premier bloc de construction. Encore des rations, incroyable, 24 rations et un morceau de vaisseau en plus. Parfait. Félicitations. Vous avez récupéré une pièce de la navette. Plus qu'un morceau. Donc lui, on le fait revenir par ici. Elle, elle est au taquet. Elle va donc pouvoir déposer sa combinaison. De chaque fois, ils se plaignent que je suis beaucoup trop beau gosse et que ça empêche les enfants de se concentrer à voir YouTube. Mais non, Elvixar, c'était un salut de bonjour. Terminal de construction. Donc, on va refaire un connecteur de bloc. Cette fois-ci, on va changer de côté. On va le mettre ici. Voilà. Et on va vraiment suivre ce que nous disent les objectifs. Hein, parce que faire le fifou, ça n'a pas marché. Je le rappelle, on va voir la petite imprimante 3D qui s'active et qui va construire l'extension. Ça, je trouve ça tellement... je trouve ça original et vachement bien fait, en plus. Pour le coup. Allez, Stephenson, reviens vite. Elle aura le temps de revenir au moins? Oui, c'est bon. Enfin, j'espère. Ce serait con, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on peut y faire ici? Rien. No way. No way? Ok. Allez, vas-y, cours mon vieux. Tu peux le faire. Ça apparaît comme ça. Non, en fait, regarde, t'as une vue intérieure, une vue extérieure. Là, tu vois, je passe en out et en in. Out, in and out, tu vois. Toc. Excellent. Excellent. Toujours fonctionnel et a imprimé le premier connecteur. Alors, Maggie, c'est le nom du vaisseau. Hein. Enfin, ou de l'imprimante, d'ailleurs. C'est bah, de l'ensemble en général, quoi. Alors, installer une plateforme de forage. Très bien. Terminal de construction. Module. Plateforme de forage. Je vais suivre. Vraiment, ce qu'on me dit. I'm on it. You are on it. Très bien. Michel. Clic droit, entre dans la station. C'est bon. On arrive à sauver les trois. Oui. Oh, au moment, il n'avait plus d'oxygène en plus. Incroyable. Timing. Sure. Love that. Parfait. Ici, ça y est, c'est construit? Je reconnais ça. Non, j'ai pas construit en fait. Reprendre. Ah d'accord, j'avais coupé. Pourquoi il veut pas reprendre? Ah. In and out, ça me fait penser à un certain type de film, oui ça. Attends, parce que du coup, s'il veut pas reprendre, c'est relou. Vas-y, Micheline, toi, tu vas pouvoir le faire. Voilà, ok. Bon, lui, il est cuit. Lui, il est en grève. Qu'est-ce qu'il veut? Bon, bah, d'or. Du coup, d'or. Hein. Parce qu'il est mauvais. Ouais, je pense. Hein. Le mec a dit, oh non, c'est bon. Voilà, c'est bon. Et de retour. Qu'est-ce qu'il fait lui? Bah lui il attend, il est là, il est posé, il sait pas. On peut y voir quoi là? Terminal de bloc. Ah oui, attends. Bouteille supplémentaire. Station de recharge en O2, combinaison. Donc ça pour l'instant ça va. Donc j'imagine que les combinaisons peuvent à un moment se péter. Puisqu'on peut en construire.
Leader comme ça. Bah oui, on n'a pas encore de lit. J'installerai des lits et une cantoche et tout. Mais pour l'instant, on n'a rien. À priorité au matériel. Hein. Même pas tu leur fais un lit, n'avez-vous pas honte? Non. Moi, vous savez, j'ai passé les 72 premières années de ma vie à dormir dans la jungle, puisque j'ai été élevé par des loups. Donc c'est bon, quoi. Déjà, le sol est dur, on va être content. Bon, bah dors aussi, toi. Hein. Puis après, tu mangeras. T'as pas 72 ans? Non, bah non, je suis plus vieux que ça maintenant, forcément. Construction de salle, très bien. Installer des machines. Oui, alors, on me dit de faire quoi? Installer une foreuse de terreur sur la plateforme de forage. Très bien. On va faire ça. Il faut repeupler, fais leur délit. Ouais, non, mais ils vont repeupler. On a sauvé Williams, voilà. Enfin bref. Ok. Terminal de bloc. Donc on a dit c'est foreuse de terre rare et de carbone. Carbone ici. Oh putain, mais au secours, elle dit que ça. Un peu de subtilité, merde. Terrible ça. Allez Williams, vas-y championne. Du coup bah Foster il va bouffer en attendant. Hein. Tiens, mange un encas. Stephenson il est toujours en train de ranker, oui. Ok, donc là c'est fait. La foreuse de terre rare, elle sort de... Alors pas de terre, elle sort quoi. De carbone, pardon. Et terre rare, on va faire ça. Mais ça n'avance pas... C'était la même phrase. Oui, tout à fait, avec subtilité, exactement. Est-ce qu'ici on peut en faire une deuxième? Attends, je vais attendre déjà que le jeu me dise. Oui, c'est bien ça que tu dois faire, Michel. Sinon, je vais encore me faire juger par le chat. Et il va falloir qu'elle dorme aussi, Williams. Donc, dès qu'elle a fini ça, elle va venir se reposer. Et lui fera un nouvel emplacement de construction. Moi, c'est bourrin enchanté. Oui, non, mais d'accord. Non, mais il y a bourrin et beauf. Assembler un bloc raffinerie. Alors, attendez. On est d'accord que le bloc raffinerie, ça coûte combien? Ça coûte 10. On va faire un petit. Le connecteur, c'est 15. Ça fait donc 25. Ouais, ben non, mais c'est bon. Attends, je vais vérifier. Installer petit. Ah non, je peux l'installer direct comme ça? Module, raffinerie, petit. Ok. Ok, ok. Oh, très bien. Faut faire un big... Bah non, je préfère pas trop pour le moment. Je préfère en faire un petit, je pense. J'espère qu'il y a la place. Parce que là, je vois, tu vois, un grand truc, c'est 4 emplacements de construction. Donc un petit, j'imagine que c'est 2 pour le bloc raffinerie. Et je peux faire un four et une nanotubeuse. Probablement. Je vais pas faire des fruits. J'attends un peu pour les fruits. On va voir. On va voir ça. T'es dessus là, Michel? Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, elle arrive. Maggie arrive. Au secours, putain, j'en ai marre. J'en ai marre. Toujours que les chats sont l'image des streamers, mais là j'assume pas, j'ai pas envie. Non, non, désolé. Alors il nous reste combien de temps? 33 en construction, 20 en réparation, 50 en composants électroniques, ça je pense que c'est plutôt pas mal. Il faut que je vérifie s'il n'y a pas encore des trucs à fouiller dans l'environnement. Je pense que si, forcément. J'ai probablement dû en rater. Bon, Williams, combien de temps? Dans le bloc raffinerie afin de commencer à transformer des matériaux de forage en différents composants. Ah, parfait, voyez, voilà, c'est ça. C'est bien ça que j'aurais dû faire tout à l'heure. Ok, c'est en intérieur, donc pas besoin de trucs. Il nous faut quoi? Bloc de refusion. Four de refusion. Ah oui, four de refusion, putain, je suis quoi. Ah non, il y a bien 4 aussi. Easy work, ok, bah vas-y, let's go, hein. Fait des bouffées. Bah lui, ah ouais putain, lui il faut qu'il bouffe aussi. Bah lui il fait ça puis après il bouffe. Et Williams dès qu'elle se réveille, ouais.
Tu veux qu'on sorte tes vannes quand on joue à la BES hors live? Non, mais non, parce que c'est hors live, donc ça compte pas. Vous n'avez aucune preuve que c'est moi. Vous n'avez pas l'image. Ouais, puis je vais le faire bouffer, là. Elle est subtile, bordel de merde. Mais oui, voilà. Allez, mange un encas, mon petit, parce que là, t'as un peu la dalle. Commandant Foster, je vous informe que l'épissureuse est opérationnelle pour une utilisation par un membre d'équipage. Un four à refusion s'appelle donc une épissureuse. On apprend des mots, en plus. Hein. C'est beau, hein. Et donc, on va faire une nanotubeuse également. Et donc, on ira chercher le carbone qui est là, les terres rares qui sont ici. On assemble tout, on fait une petite soupe. Et hop, tranquille. Toi, il faut manger, par contre. Mange un encas. Foster, tu vas prendre une combi. Et tu vas commencer à les récolter, ça. Subtil, un rapport avec le September. Eh oui, tout à fait, Tom. La subtilité, c'est en septembre. Forcément, sinon, non. De carbone est prête à être utilisée. Parfait. Oui, bah au travail, du calme. Trouvez les trois morceaux du système de communication de la navette. Pourquoi I can't... Ah oui, voilà. Alors, bon, attendez, on va aller explorer un peu dehors vite fait. Oui, oui. On va aller explorer vite fait dehors. Il nous manque un truc de communication. On en a déjà trouvé deux. Je pense que la vision est plus sombre quand on n'a pas un personnage à l'extérieur. Parce que tout à l'heure, j'avais vraiment l'impression de voir beaucoup mieux que ça. Donc on va faire le test avec Williams. Elle est full en énergie. Attends, viens là. Équipe la combinaison. Et on va laisser Stephenson à l'intérieur. En attendant, Foster, lui, va récolter ça. 1 kg de carbone en 5 matériaux de construction. Parfait. 1 kg de terre rare en 5 composants électroniques. Nickel! Oui, alors putain, mais il est con. Ferme le sas. Les mecs sont censés être des scientifiques, mais alors il faut quand même leur dire de fermer la porte, quoi. C'est fou. Garde Foster dedans. Bon, non, je garde Stephenson pour le coup. C'est juste parce que je... Parce que pourquoi pas, hein, mais... Mais non, pas elle. Non. Attends, William, c'était dehors. T'es où, Williams? Williams? Ah oui, t'es là. Foster, donc. Tu vas ouvrir le sas. Et donc, ouais, c'est ça, vous voyez. Quand on a un personnage à l'extérieur, la luminosité est quand même bien meilleure. On va donc commencer à regarder. Il faut qu'on trouve le troisième morceau de communication du vaisseau. Petite boîte rouge. Est-ce que... C'est quoi, ça? Ok. Apparemment, c'est... ça, c'est touche pas à sa petit con. Comme on dirait dans la 7ème compagnie. Est-ce que vous voyez une petite caisse rouge, vous? Peut-être là, non, je vois rien. Non. Non plus. Et Shizuop, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Hello, comment ça va? Alors, attends. Elle est où cette troisième caisse? Alors là, c'est pas comme sur GeoGuessr, les amis. Hein. Si vous la voyez, dites-moi. Ouais, je l'ai vue, elle est là. Ne lâchez pas juste un vu. Ça va être l'enfer. Ah, à mon avis. Ouh, ça sent que. À mon avis, elle est par là, non? Non, pas du tout. Très bien. La merde. Au secours. Fais bouffer, dormir, Foster, sinon il va crever. Ah, bah ça va. Là, il est à 70% d'énergie. C'est genre le mec, imagine, il s'est levé à 9h du matin. Là, en termes d'énergie, c'est midi. Il peut quand même faire plus de 3 heures d'activité dans sa journée. Enfin, j'espère. Le mec a quand même été entraîné avant de partir dans l'espace. Hein. Enfin, je pense. Alors, petite caisse. Où es-tu, petite caisse rouge? Je crois, hein. Il me semble bien que c'était une caisse rouge. Hein. Ce qu'on avait trouvé tout à l'heure sur les modes de communication. Sur les trucs de communication, mais. Je vois rien. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut lui dire d'explorer automatiquement ou pas? Ou de faire un truc en extérieur là? Attends, parce que manger, elle pourra pas, ça d'accord. Dormir ici. Non, bah, non.
Ne dors pas, Micheline. Bref, Foster est en train d'accumuler. Il va se mettre là-dessus. Ok. Donc, Williams. Okay. Tu vas aller voir par là. Salut, Sayansed. Comment ça va? Vu. Ouais, ouais, ouais. Vraiment vu ou pas, hein? J'en doute. Donc, c'est pas par ici. Ça a pas l'air d'être par là. Là non plus. On avait trouvé les deux sur le côté tout à l'heure. Je sais pas s'il y a un pattern ou pas. On les avait trouvés par là. Je peux pas m'éloigner, donc c'est pas ici. Ouais, affirmatif, ouais, tout à fait. Bah merde. Je vais appeler les secours. C'est ça? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle serait vers le vaisseau originel? Non plus. Hein? Attends. Et là, si je vais plus loin... Ah non, c'est juste impossible. Okay. Bah, ah! Bah non, elle va pas être là-dedans. Je pense pas que ça va être là-dedans, mais... C'était pas là tout à l'heure. Si? Je crois pas. Mais Foster, putain, il est pas sorti. Ouvre le sas, débile. Mettre les évadés, ça faisait longtemps. Les évadés, putain, attends, pourquoi je le connais? Merde! Vous voyez, c'est ouvert, oui. Bon, on a récupéré des matériaux. C'est bien, mais c'est pas ce qu'on cherchait. Ah, mais en fait, je suis teubé. En fait, je pensais que la zone qu'on pouvait explorer, c'était par rapport au vaisseau. Mais c'est pas par rapport au vaisseau, c'est par rapport au personnage. Donc en fait, la zone que je peux visiter est bien plus large que ce que je pensais. D'accord. Ok. Vous voyez, le Losing Network, c'est par rapport au personnage, pas par rapport au vaisseau. Ah bah c'est bon. On va la trouver, cette caisse. On va la trouver. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on me dit que c'est une mauvaise idée. Bon, bah on va aller voir. Ou alors c'est... Ouh, ça sent les sables mouvants, ça. Ça sent fort les sables mouvants ou un truc dégueulasse. Est-ce qu'elle va mourir? On sait pas. Yo, Matt Shepard. Re. Message entrant de LA. Alors. Elle est à repérer l'entrée d'une grotte. Impossible de savoir où mène cette cavité sans fond. Faut-il l'explorer? On est joueur ou pas dans le chat? Est-ce qu'on est joueur? Est-ce que ça sent la douille, comme le dit Elvixar? Ou est-ce qu'on est joueur? J'ai besoin de votre avis. J'ai pas envie d'assumer seul la décision de tuer une deuxième fois Williams. On est joueur, c'est toi qui perds au pire. Salaud. Bon, on va aller voir. Hein. Allez, explore. Un gisement intéressant. Après quelques dizaines de minutes d'exploration, il a trouvé un filon de terre rare. Il a décidé de procéder à une... Alors, c'est pas il est, par contre, c'est Williams. Il a décidé de procéder à une extraction, plus 5 kilos de terre rare. De plus, les relevés effectués contiennent probablement des données très précieuses. Parfait. Ah bah, c'est bon, vous voyez que c'était pas si dangereux que ça. Bien. Ouais, ok. Ah, encore une caisse. Oh, des rations. Oh, trop de rations, c'est ouf. Foster, tu fais quoi, toi? Ok, donc. Là, on est bon. Les terres rares, bah non, on est full. Donc là, vas-y, ferme le sas. Ok, donc ici, tu peux ouvrir le sas maintenant. Et tu vas aller enlever ta combi. Ici, on a quoi? C'est Hayley Williams. Ah! Ah oui, mais il l'appelle par le prénom. Merde, tu es con. Pensant à le replay à l'OSA. Ouais, ça marche, Matt, pas de soucis. Mais de toute façon, je vais tout mettre sur YouTube. Et puis le replay sera accessible de toute manière sur Twitch également. Bon, est-ce qu'on a des trucs là?
Le caca bébé, malheureux. Oui, c'est un jeu qui est en financement, qui vient d'ouvrir son financement, les amis, hein, ne l'oubliez pas. C'est aussi le but, c'est de vous donner envie, si vous aimez ce genre de jeu, de vous donner envie de vous dire, bah tiens, j'ai envie de participer au développement de ce jeu et d'aider en tout cas à ce qu'il aille, à ce qu'il se fasse. Pourquoi elle est bloquée? Mais pourquoi t'es bête? Pourquoi t'es bête, Micheline? Viens là. Bah oui, affirmatif. Ouais. Bon, Foster. Foster, tu vas dormir. Toi, tu vas dormir aussi. Et Williams, allez, Williams, elle a presque plus d'oxygène, en fait. Donc, on la renvoie ici. Elle va rentrer. Alors, vous avez le point d'exclamation Kiss, point d'exclamation Pioneers, pour avoir les détails sur le jeu avec les liens des réseaux sociaux, donc sur Twitter et sur les internets mondiaux, pour suivre un petit peu l'avancée du jeu. Du coup, Williams, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire des matériaux en attendant. Ah, mais elle peut pas pour le moment, elle n'est pas encore changée. Voilà. Donc là, on a récupéré les terres rares et le carbone. Les deux sont en train de ronquer. Oui. Ouais, t'inquiète, Foster. Continue de dormir, on verra après. Ah, faudra peut-être que je fasse un lit à la rigueur pour qu'il récupère un peu plus vite. Je crois qu'il récupère leur énergie plus vite du coup. La version Elon Musk à 9 millions. Oui, 9 999 euros, on en parle. Mais pourquoi pas? Pourquoi Elon Musk ne pourrait pas financer? Ça arrangerait tout le monde. Donc on a quoi? Plus 5 matériaux de construction. Ok. Foster, est-ce qu'il va tenir la nuit, Foster, là, avec son envie de bouffer? Ça est passé. Ouais, il est passé tout à l'heure, Matt, tout à fait. Et juste pour lui. On peut donner combien? Je crois pas qu'il y ait de limite, hein, de 1 centime à 1 milliard. Je pense que les devs seront contents, quoi qu'il arrive. Ok. Bon. Trouver les trois morceaux de scène de communication et la navette. Oui. Bah attends. Moi, je veux construire un lit. Voilà. Ok, j'ai pas lui tapé sur les doigts. Non, c'est bon. Il a fait son boulot de communicant et tout. T'inquiète. Allez, Foster, mange. On a 25 rations. 24, ça va. C'est 5 euros la contribution minimum, je crois, sans contrepartie. C'est ça. Et après, plus. Ah, bah tiens, bah vas-y, Matt. Fais le détail sur les offres, peut-être que tu connais bien mieux que moi. Parce que oui, qui dit offre dit également contrepartie. C'est un jeu FR, j'espère. Bah, bien sûr, Elvixar. Parce que toi, tu joues que aux jeux français, Elvixar? Tu sais que Football Manager, c'est pas. Enfin, je sais pas, hein. Oui, c'est francophone, c'est vrai. Il n'y a pas que des Français. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, Foster? Bah tiens, il va transformer. Il va faire. Oula! Ah! Oula! Ah, Foster, il s'est un petit peu téléporté, là. Alors, on sent que c'est le patron, il n'a pas eu le temps. Il a couru, téléporté directement sur la machine. Je rappelle, hein, c'est un jeu en pré-alpha, donc voilà. Non, mais on est de ceux du même pays, logique. Ouais, bon, après, c'est Internet, hein. Justement, l'avantage d'Internet, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Mais je comprends la logique, Elvixar, hein, mais... En l'occurrence, il n'y a pas que des Français qui font des jeux qui te plaisent. Et oui. Donc, on a fait le truc pour les pieux. On va faire le truc pour les pieux. Est-ce qu'on a assez? Module, quartier de l'équipage. Petit ou grand? Sachant que maintenant, on produit des choses. Bah grand, hein. On va faire un grand quartier d'équipage. En attendant, Williams, bah, elle va manger. Elle va manger un encas. Et salut Bounties, comment ça va?
Elle n'est pas possible avec les contreparties. Ah voilà, Matt a mis la petite photo. Elle va dormir ici en attendant. Ah mais il est là. Ah il y a un petit bug ici. Puisque Foster est là et il arrive à faire travailler cette machine là. Oui. Petit léger bug. Mais c'est rien, l'avantage, enfin, on s'en fout, ça marche. Donc ça va. Sur francophone, ça. Non, mais t'inquiète, personne ne te justifie, Vixar. Pourquoi t'es pas très à l'aise? Ça va? Pas de problème. Hein. On attendra avril 2022 pour t'en vouloir, t'inquiète pas. Ah, ça marche toujours, c'est génial. Foster, tu vas recharger les... Non, attends, Stephenson, tu vas recharger les combis. Tu vas recharger les trois combis d'ailleurs, et après, il y en a un qui va repartir en exploration, très probablement encore Williams. Qui est un petit peu l'exploratrice de cette équipe. Ils n'ont pas gardé minimum 5€, donc pour une contrepartie, c'est 25€ le prix du jeu pour le financement participatif. Yes. Alors, elle est en train de dormir, lui, il est en train de bosser. Ça nous fait quoi? Ça nous fait 70 composants électroniques, monsieur. Incroyable, cette production. Alerte. Ah. Les variations sismiques ont été détectées. Oh, scu. Sure. Alors, où est-ce que ça va casser? Incassable. Incassable. Cassé. Pour l'instant, ça ne casse pas. Attention. Non, c'est minimum 25 balles Elixir pour avoir une contrepartie. Genre, je sais plus ce que c'est, mais ça doit être quoi, l'accès au jeu, j'imagine. Pour quand il sera sorti. Enfin, la clé du jeu dès qu'il sort, quoi. Si c'est moins, bah c'est juste pour aider au développement du jeu, mais sans... attends, on envoie qui? On envoie lui ou... Ouais, on va envoyer Foster, quand même. Ok, Stephenson, continue à recharger les combis. Pendant ce temps-là... Merde, attends, il y en a deux... Non, attends. Il y a un deuxième trohu. Donc on a... Ah putain, l'autre est là. Williams, réveille-toi, vite. It's on my list. Allez, Micheline. Ah bah là, c'est déjà full. Bon bah là, ici, c'est déjà full. Bon bah, enlève la combi. Bon, Foster, tu dors. Stephenson ressort. Toc. Parce que c'est le jeu à tarif réduit et un merci dans les crédits. Ah, oh, c'est cool en vrai ça. Ok, bon, elle va donc mettre sa petite combi. Et elle va aller explorer. Stephenson, il va recharger. Et il va aller récolter les matériaux ici. Généreux 2025. Regarde le lien que j'ai envoyé, t'as toutes les infos des contreparties. Voilà, n'hésite pas à le reposter, Matt, régulièrement si tu veux. Pour que les nouveaux arrivants le voient. Ok, attends, lui il est rechargé, donc il va venir. Il va venir ici. Williams, donc. On retourne explorer. Vas-y, ma vieille. Pendant ce temps, Foster, est-ce qu'il peut construire des choses? Ah mais c'était pas fini ici! Quelle vie! Ok, Stephenson, donc ferme le sas. William, ça allait en bas déjà? Oui. Alors, on était parti à l'est, on n'avait rien trouvé pour le troisième composant. Tu vas donc venir par là. Et on retourne vers Michel. Il a bien fermé le sas? Oui, il a bien fermé le sas. Il peut donc ouvrir ce sas. Et salut Gozuwal, comment ça va? Nous dans les crédits. Ouais. Easy work. 1-0 pour Lyon. Bien joué. Alors, est-ce que là... Est-ce qu'on trouve quelque chose ici? Bon, déjà, il y a ça. Déjà, ça, elle l'a trouvé. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est rien du tout. Ok, on va voir.
Foster, qu'est-ce qu'il fait? Il a fini? Oui, il a fini. Du coup, tu vas construire. Ah mais non, mais quartier de l'équipage, c'est fait, je suis con. Ah bah oui, viens là. Attends, c'est en extérieur ou pas? Bah non, pas du tout. Ok, viens là. Donc Stephenson, il est en train de récolter, lui, c'est bien. Eh ben la forme, tranquillou. Tranquillou, Gozywall. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu n'as pas plus d'abonnés sur YouTube. Lorsque tu proposes, il m'arrive également de m'en venir avec tes reliés. Bah écoute, Gozywall, merci, c'est gentil déjà. Et puis, ça viendra. Oh, j'ai eu peur, putain. Salut tout le monde. Et salut Marco, et merci beaucoup pour le 8e mois de sub. C'est gentil. C'est gentil. Vous êtes gentil, les amis. Par vos messages, les subs, tout ça, enfin tout. Vous êtes étonnamment sympa. Qu'est-ce que vous voulez me demander encore là? Moi, je donne rien. Je donne déjà la Croix-Rouge. Alors, attends. Là, elle avait trouvé un truc. Est-ce que. Putain, mais elle est où ce truc de communication? Là, on est full. Non, pas encore. Alors. Ici. Réfectoire, couchette ou cuisine. Bon, déjà une petite couchette. Voilà. Même si on s'endort surtout sur le regard dans mes yeux. Possible de m'encadrer en solo. De quoi? De t'encadrer en solo? Je vais pas t'encadrer, enfin. T'empailler à la rigueur, mais pas t'encadrer. Bordel là. Ok, là on est full. Donc ça, tu prends ça. Direct. Rété en coproducteur si tu veux. Ah bah voilà, par exemple. Hein? Mais non, mais je t'ai pas dit de venir là, Micheline, si? Putain, c'est fat, hein? C'est fat à explorer en vrai. Je suis sûr que c'est par là. En vrai, je suis sûr que c'est par là. Et que je suis passé à côté 1000 fois et que je l'ai pas vu. Ah, attends. Il y avait un autre point d'interrogation tout à l'heure par là. Si je me rappelle bien. Ah, c'était plus là-bas, je crois. Oui, il est là. Oh putain, il y a un truc de l'autre côté. Ah mais oui, ils peuvent sauter, c'est vrai. Oui, ok, viens là, Micheline. Viens ici. Et tu vas sauter de l'autre côté. Ça doit être de l'autre côté. Parce que la gravité, tout ça. Mais oui. Ici, c'est fait. Oui. Il va donc refaire une deuxième couchette. Okay, 150 euros pour être coproducteur. Ouf. Et pourquoi pas? Si le jeu plaît. Foster, il en est où? Donc il construit toujours. Voilà, c'est bien. Message entrant de LA. Alors, elle se trouve au bord d'une large faille, difficile de prédire si sauter par-dessus mènera LA de l'autre côté ou à une mort certaine. Faut-il tenter? On est joueur comme tout à l'heure. Tout à l'heure, elle a exploré une grotte, ça s'est bien passé. Là, je vois pas pourquoi sauter au-dessus de lave en fusion, ça serait un problème. Hein? Créé en tant que coproducteur, pas pareil qu'être vraiment coproducteur. Non, c'est vrai. À Dijon, ils n'ont pas de contact avec le PSG pour que le Qatar investisse 50 millions dans le projet. Non, parce qu'ils me les donnent déjà de base. Mais par contre, ils ont 3 millions, je crois. C'est déjà pas mal. Allez, on va sauter. Un saut majestueux. Les heures d'entraînement ont payé. La condition physique de LL lui a permis de réussir cet exploit. La faille est franchie. Bravo, Ailey. Et il est là, regardez. Elle va pouvoir inspecter ici. Il y a un autre truc là. Ok, par contre, elle a plus beaucoup d'oxygène, donc il va falloir pas tarder à penser à revenir. Lui, il va venir à l'intérieur. Et il va bosser là. Ok, lui a terminé. On va pouvoir se faire une petite cuisine, je pense. Cuisine.
Ah non, non, non. Ah non, il a pas fait le troisième lit, en fait. Non, non, j'ai rien dit, attends. Refais une couchette. Voilà. Est-ce que le sas est ouvert? Oui, le sas est complètement ouvert. Bien. Tu vas donc aller déposer ta combinaison. T'as encore de l'oxygène, donc ça va. Elle, elle fait quoi? Est-ce qu'elle a le temps d'aller là? Ouais, peut-être pas. Qu'est-ce qu'on a autour? J'ai déjà essayé de voir si je trouve la troisième caisse. Non. Merde. Il faut qu'elle rentre. Ah, j'ai envie de... Ah, non. Attends. Non, bah attends, bah viens là déjà, toi. Comment ça, no? Bah si. Sous prétexte que c'est en hauteur, t'as pas envie d'y aller, c'est ça? Bon, viens voir par là. Une tentative de contact via intermédiaire, un certain Dan... Non, changé par souci d'anonymat, ça n'a pas trop fonctionné. Ah oui, c'est vrai que le jeu est en wishlist sur Steam maintenant. Et ça, c'est cool. Ouais, attends, non, attends, on va la faire rentrer parce que je sens qu'elle va m'en jouer une sinon. Message entrant de Allez, saute. Paf. Ok, tu vas pouvoir rentrer du coup. Dové, dové, dové. Elle est là. Toc. Stephenson, ce bon vieux Stephenson. Qu'est-ce qu'il a... Ouh, il faut qu'il bouge par contre, Stephenson, là. Ah oui. Mange un encas. Foster, il est où? Bah, il bosse. Bon, il va continuer, hein. Terminal de bloc. Réfectoire, alors je crois que c'est... Ah, c'est ça, il n'y a qu'une place. Bon, mais on va mettre deux réfectoires, parce qu'ils vont pas manger les trois en même temps. Williams, en attendant, elle est de retour. Voilà, elle va aller recharger un oxygène. Stephenson, il va dormir. Ah mais non, attends. Non mais réveille-toi. T'as un lit maintenant. Ça ira plus vite. Confirme recommander Nvidia RTX 2060. Alors moi j'ai une 1070. Et ça marche très bien, hein. T'as une 3080 bichon à vous. Ouais, au moins, ouais. Ouais. Pas du tout. Ah merde. Oh mon dieu! Il peut construire en attendant, vite fait. Allez, vite fait, ça va le faire. En attendant, elle, elle pourra réparer s'il y a une fuite. Pour l'instant, il n'y a pas de suite. Ah, merde, il y a une fuite. Elle est où? Où est la fuite? Williams! À toi! Ce qui arrive, c'est que niveau proc, c'est sans recommander. Processeur Intel 5, 6ème génération. Ryzen 1600. Oh ben, ok. J'y connais rien sur les Ryzen, je connais pas du tout les équivalents pour le coup. C'est terrible. L'oxygène baisse, mais ça va encore. Merde, voilà, ça a pu là. Foster, t'as fini de bosser? Oui, elle est où l'autre? Une là, tiens. Viens réparer. Stephenson, bah écoute mon vieux, je suis désolé, mais il faut se réveiller là. Attention, l'intégrité de la station est compromise. Oula. Oui, Stephenson, vite. Ok, et la quatrième est où? Ça c'est bon, on a dit. Ça c'est bon. Oh putain. Ah bah attends, Stephenson répare ici en fait. Réparer. Et Williams, du coup, elle va partir réparer là. Tac. Attention, l'intégrité de la première gen de Ryzen, ok. Les gars, Xbox PS, Intel, AMD. Bah oui, alors surtout que.
C'est pas nos guerres, quoi. C'est survie. Mais ouais, c'est survie, Cladu. Tranquille. Oh, putain, il y en a une deuxième, là. Il se dépêche, là. Ouais, c'est bon. Ok, donc ici, c'est fait. Elle est vénère, cette secousse, là. C'est encore le PS. Putain, au secours. Oui, LV, comme tu veux. Stephenson, t'es encore là. Easy work. Écoute, je te le souhaite, mais... T'es dessus, là? Oui, c'est bon. Mais Micheline, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi elle peut pas... Elle peut pas réparer parce qu'elle a pu... Merde. Attends. Mange. Ah, ça, manger, il y a du monde, là, par contre. D'accord. Pourquoi elle peut pas réparer? Foster, il peut ou pas? Pourquoi c'est pas réparable? Il faudrait peut-être déjà... fermer le sas, peut-être? Je vois pas pourquoi. Attends, d'ailleurs, Foster, faut que tu manges. Mange un encas. J'ai pas le truc, là. Est-ce qu'il faut forcément une combi? Ok, bah c'est pour ça. Attends. Ouais. Parce que là, ça va être la merde, là. Parce que ça, c'est ouvert. Oui, viens là. Ok. Foster! Viens ici. Toi, en fait, viens là. Non, parce que pour l'instant, pour un jeu en démo d'une pré-alpha, que franchement, il y a des... Alors déjà, le jeu est beau, déjà. C'est pas négligeable. Et il y a plein de trucs à faire. Alors c'est forcément très répétitif, en tout cas pour moi. Enfin, à mon niveau de jeu, je veux dire. Mais putain, mais lui non plus, il peut pas. Merde, mais il faut qu'ils mettent leur... je suis con. Oui, sure, bah oui, sure. Mettez vos combis. On a combien en taux d'oxygène, là? 65, ah, c'est pour ça. C'est répétitif parce que je suis pas le meilleur joueur du monde, forcément. Donc je suis peut-être... un peu plus lent que ce qui devrait se faire de base, mais j'aime beaucoup. Je comprends pas pourquoi il peut pas, en fait. Ah, peut-être qu'il faut réparer de l'autre côté ? Je comprends pas le truc. Je vois pas pourquoi je peux pas réparer, en fait, là. Est-ce que quelqu'un a une idée? Putain, c'est pour ça. J'ai plus de matériaux de réparation. Merde. Bon, attends, là, le sas est fermé, donc c'est pas un problème. Ah, mais ok, j'ai trouvé. Le problème, c'est là-bas. Attends. Micheline. Ferme le sas. Ok, j'ai trouvé. Ah, ça va être relou. Je peux plus accéder au truc. Non mais sérieux. Ok. Bon bah ils pourront jamais se reposer dans leur nouvelle chambre. Ah c'est terrible. Ici ça va remonter l'oxygène j'espère.
38. Ok, ça remonte. Alors, toi, viens voir si on peut construire un truc. Transforme le carbone en matériau de réparation. Ok. Et du carbone, j'en ai 5. Ça remonte bien l'oxygène ou pas là? 53, ouais. Bon, tu peux reposer ça, toi. Ça, c'est un sas aussi? Ah oui, il y a des sas partout. Ah bah parfait, attends. On va récolter le carbone. Williams, donc, là, ok. Elle va en profiter pour taper une petite sieste. Parce que pourquoi pas. Toi, tu viens là et tu fabriques des matériaux. J'espère vraiment que c'est du matériel de construction, sinon... C'est bien, il y a de l'enjeu là, j'aime bien. Ça en fait combien? Ça se trouve ça les fait par 5. Je sais pas combien ça coûte de réparer là. Je sais pas, mais on peut réparer en tout cas, ça c'est cool. Nous. Voilà, c'est bon. Donc ici, c'est réparé. Hein? Ok. Ok. Donc l'autre là-bas, il pionce. Donc toi, tu vas venir là. C'est bon, la bonne contribution. C'est bon, la bonne contribution. Tu as bien contribué? Bravo. Bravo, Elvixar. GG à toi. Merci de la part de toute l'équipe, j'imagine. Allez, c'est bon. Putain, ah, il faut des matériaux spécifiques. Ah, c'est pas mal, ça, c'est bon, ça. Ouais, c'est marrant, ouais. Comme je suis quelqu'un de pas normal, j'ai donné un euro en plus. Oh, le mec! Le mec. Retour après le stream. Eh, peut-être. On sait pas. Toc. Bon. Allez, viens m'enlever cette combi. Yeah, good joke. Et après, tu vas récolter. Toi, tu vas... Attends, c'est qui? C'est Stephenson? Non, c'est qui, là? C'est Foster? Foster. On a 15 matériaux de réparation. On en aura 20. Après, tu vas nous récolter encore des trucs comme ça, là, parce que... Les gentils pépères, mais... Hein. Micheline, qu'est-ce qu'elle va faire, Micheline? Elle va reprendre sa combi. Et elle aussi, elle va aller prendre les matériaux ici, en fait. Oh, putain, attends, Stephenson, t'es où? Il est bloqué, le con, mais ouvre le sac. Ah, ça me... Mais non, pas fermé, en fait, je suis con. Ça me trigger un peu. Le fait que les mecs ouvrent pas les portes. Ça rend ouf. Mais c'est logique, hein, parce que vous voyez que l'ouverture-fermeture de ça, c'est une protection. Aussi quand tout est cassé. Et elle, donc, elle vient... Ouais, non mais attends, parce que Foster... Non, attends. Foster, il va venir là, en fait, parce que là, il est crevé, il faut qu'il dorme, il faut qu'il bouffe, il n'y a rien qui va. 4, on n'avait pas de payer la première vie, mais autant que je mérite le meilleur, donc je ne peux contribuer, dommage.
Allez, ferme le sas. Ok, Stephenson, tu vas manger. Le stream a une valeur inestimable déjà, c'est vrai. Exactement. Allez, convoie les matériaux. Foster, même chose, tu manges. Et puis maintenant, tu vas dormir. Hein. En espérant qu'on se tape pas encore un truc sismique des enfers, là. Qu'est-ce qu'il dit? I wish there's a bed right here. Ouais, ouais, bah, il y a des lits là-bas. C'est vrai qu'il y a des lits là-bas. Et d'ailleurs, Foster, il va y aller. En même temps, il les a construits, Foster. C'est à lui de les inaugurer, un peu. Alors, à la bêta, du coup, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il me semble, hein, pour le seuil de contribution... J'ai pas regardé dans le détail le document de Matt Shepard, mais tout est inscrit dessus en tout cas. Toc. Alors, ça pionce ici. Williams, bah ça bosse. Bah ça bosse plus là, c'est plein. Ah oui, c'est parce que c'est full, ok. En fait, il faudrait que j'ai un mec qui extrait et un mec qui produit direct ici en fait. Allez, on ferme le sas. Niveau oxygène, on est retourné à... Ouais, ça monte tout doucement, ouais. Un peu doucement. Dites donc, oxygène, là. Accès alpha fermé, puis bêta, puis jeu complet. Ok. The closed alpha. Bon, Williams, elle va bouffer aussi. Vite fait. Et après, elle va nous refaire des matériaux de construction et de réparation. Alors, ici c'est quoi? Composants? Non. Matériaux. Qu'est-ce qu'on peut construire en quatrième là? Sismiques ont été détectées. Encore. Salle de... Oh là, on peut pas être peinard, ils sont en train de finir leur nuit. Est-ce que j'aurai assez de matériaux de construction? Je sais pas. De réparation, je veux dire. Attends, là on a niqué combien? 5. Attends, dès qu'elle a fait ce tour là, on la renvoie sur les matériaux de réparation parce que... Sinon, il va encore nous en arriver une. Ok. Affirmative. Ok. Je pense pas à Elixir. De toute façon, tout est marqué sur le document. Il suffit de lire attentivement et c'est tout. Ok, c'est juste là. Bon, ça tombe bien, il est réparé. Il est réparé. Il est réveillé, pardon. Ok, Foster, t'es où? T'es réveillé aussi? Viens là! T'as créé celui-là, justement. Ah bah voilà. Du coup, tu as ta réponse. Là, ça va, c'était un petit truc. Petite secousse. Foster, il va prendre une combi, puis il va l'explorer. Pendant ce temps, on va fabriquer des matériaux. Apprends à lire un tableau. Ah. L'alpha, c'est 150 euros. Okay. Allure. Tac. Allez, sortir de la station. On va l'explorer.
TikTok. Alors, on se rappelle que Williams était parti ici, il n'y avait rien. On va l'explorer de l'autre côté. Est-ce que Foster, lui, pourra choper le truc en hauteur? Je sais pas. C'est par là? Ouais. On my way. He's on his way. Donc là, les deux, ça bosse. Très bien. Il y a de quoi récolter encore ici. Ok. Non, on va voir si le tarif correspond. Évidemment, le tarif correspond. Oui, bien sûr. Bah, oui, tout à fait. C'est logique. C'est Jared Foster, ok. Allez, saute mon vieux, bien joué. Donc, ce truc en hauteur là, qui est où? Qui est par là? Ouais, il est là. Roger. Roger cela. Mais pourquoi tu penses pas? Enfin. Bon. Where is? À mon avis, la troisième partie, elle est par là. Elle doit être un truc un peu loin. Ça serait logique. Alors, est-ce qu'on a des trucs? C'est quoi ça? C'est pas ça, mais au moins, on va pouvoir regarder. Genre, il passe. Bah oui, il a sauté, bah comme c'est le, comme elle tout à l'heure. Ouais, bon, des rations, c'est cool. En vrai, c'est cool. Mais c'est pas ce que je cherche. Elle est où cette caisse, bon Dieu? On repart là quand même. Williams, ici. Ah, elle bosse plus. Parce que, ouais oui, bah on a plus de carbone, donc elle va reprendre sa combi. Foster est là. Ah, alors. Est-ce que oui, une petite caisse, vous? Je vois pas de petite caisse. Je sais pas si c'est celle-là, je suis pas sûr. Non, c'est une grosse caisse. Ouais, c'est une grosse caisse. Terrible. Elle est là. Donc elle vient ici. Bah, comment ça, négative? Bon, bah ouvre le sas alors. Lui, c'est pareil, il a plus rien. Ah, mais il a plus d'oxygène, elle attend. Non, remets ton oxygène, Micheline. Ok, encore des rations, c'est bien. Mais c'est pas ce que je recherche. On va voir. Hein. Ok. Elle est rechargée. Alors, est-ce que par là on trouve des choses? Nope. Il n'y a rien dans le trou là? Un trou. Non. Bah, viens là alors. Stephenson, il est où? Il est là. Il est là-bas. Alors, même chose, tu vas recharger ton oxygène. Ouais, qu'il rentre manger, non? Oh, il aura plus d'oxygène avant d'avoir faim, de toute façon. Donc oui, il va rentrer à zap, je pense. J'aimerais bien qu'il me trouve ce petit truc, quand même. Quitte à mourir en chemin, bon, c'est pas grave, une fois qu'on a appelé les secours, de toute façon. Donc là, c'est le retour. Ça va être par là, du coup. Roger cela. Ça recharge. Il vient. Alors, par là, on a quelque chose. Ah, mais c'est comme ça qu'il peut choper le truc en hauteur, peut-être.
Est-ce qu'en grimpant là, il y a un monde dans lequel il peut accéder à ça, je pense. Est-ce que là-bas, on a quelque chose? Non. C'est quoi ça? Ça, c'est un trou, ça. Je le reconnais. Là, on n'a rien. Est-ce que ce serait pas juste là? Ça se trouve sous mes yeux depuis le début? Non. Non, bah, il faut qu'il rentre, hein, de toute façon. Comment ça, notre de best idea? Bah, si, si. Ouais, tu viens là, c'est tout. Dites donc. Qu'est-ce que c'est que cette rébellion? Allez, viens là. Et ferme le sas. Maintenant, toi, tu ouvres le sas. C'est bon, c'est fermé. Allez. Allez, Foster, saute. Bien joué. He's back. Union Berlin a perdu. Oh merde! Ils ont perdu contre qui? Ils jouaient contre qui ce soir? Ah non, j'avais pas vu. Eh bien, il a plus d'oxygène, mais ça va, il est de retour. Bon, il est rentré tout juste, hein. Pour le coup, c'est pas passé loin du drame quand même. Alors, on est à 5, on est full. Williams, tu viens là. Stephenson, tu viens là. Stephenson, tu vas fermer le sas. Micheline, tu ouvres le sas. Et merde, c'est où? C'est juste là. Ok. Williams, wait! Bon, on a ce qu'il faut, un truc de réparation en vrai. Il est où, Foster? Il est là. Oui, bah bouge pas, tu vas enlever ta combi, tu vas manger après. Ils ont perdu 3-1 contre le Slavia. Ouais, le Slavia Prague après, c'est costaud. Ça, on peut pas l'enlever. Hein. Let's eat something before the situation is critical. Mais la situation est pas critique, l'enfin. Sure. Hop. Elle mange aussi, et puis elle va aller se pieuter après. Tout comme Stephenson en fait. Ah, ils vont tous aller se pieuter, je pense. Sauf si dans les 11 secondes, il y a un truc qui répète. 9 secondes, 8 secondes. Rennes fait nul de 2, ouais tout à fait. Et Marseille qui fait donc match nul, un partout. Allez, everybody's getting a nap. Ça veut dire tout le monde fait la sieste. Ok, c'est bon. Jour 4, 20h. C'est là-dessus qu'on va couper la vidéo pour YouTube. À bientôt, YouTube, en tout cas. J'espère que ça t'a plu, cette découverte de The Pioneers. Je rappelle, hein, nous sommes à l'heure de l'enregistrement le 16 septembre. Le financement participatif vient d'ouvrir. Donc, tu as le lien qui va être en description si tu veux participer au financement de ce jeu. On a parlé là pendant cette VOD un petit peu aussi du financement et des contreparties. Donc tu vas pouvoir voir également si tu as envie de participer, à quelle hauteur, etc. En tout cas, on le rappelle, hein, c'est un jeu de survie, de gestion dans l'espace, on le voit. Assez compliqué parce que ça paraît assez simple. On se dit, bon, bah, il faut juste construire des trucs, faire de la bouffe. D'ailleurs, il faut que je fasse de la bouffe, tiens. Patati patata. Mais non, c'est pas que ça. On voit aussi qu'il y a des problèmes avec des catastrophes naturelles, avec... Bref, ça demande beaucoup de micro, mine de rien. Et la micro, moi j'aime beaucoup perso. Donc ça demande beaucoup d'attention. C'est un jeu qui est très très poussé et qui est hyper prometteur. Je rappelle, ça n'est entre guillemets qu'une pré-alpha, et franchement pour une pré-alpha il y a déjà beaucoup de choses à faire et c'est top, c'est top. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à te rendre également sur la page
De toute façon, je mets tous les liens en description, mais sur le Twitter des devs, sur le site des devs, etc. Mais bref, petit pouce bleu, abonne-toi, etc. Si tu veux ce genre de contenu plus souvent. Allez, bisous YouTube, ciao.